Maïcha Télévision vous ouvre ses portes avec l'émission Le Petit Déj. Quant à moi, je vous dis bonjour et je vous souhaite la bienvenue. Désormais, c'est comme ça, du lundi au vendredi. On commence la journée par du sport. Après, on vous propose une recette de petit déjeuner. Après, c'est l'horoscope du jour. Après donc l'horoscope du jour, on a une discussion avec un spécialiste sur un sujet sur lequel nous allons nous attarder. Et puis, on fait le plan de trucs et astuces. Et là, maintenant, c'est du sport que je vous propose. Réveillez-vous parce que la journée est longue et il faut commencer ça avec en brûlant des calories. Et c'est le fitness. Bonjour la fille, on va commencer nos entraînements par un échauffement. Allez, on y va tout le monde, comme ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, changez votre pied, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on y va, merci. Motivez-vous, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on y va, on lave. 1, 2, 3, 4, 5. Sens quadrat, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, écartez les jambes. Il faut bien écarter. Il faut chercher l'air. Allez, comme ça, tout le monde. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5. Sur l'autre côté, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, il faut chercher. On fait comme si on cherchait quelque chose dedans. 1, on y va. 2, allez, il faut chercher. 3, 4, 5. Allez, derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, comme ça. Allez, on y va. 1, 2, il faut toujours les chevilles. 3, 4, 5. Maintenant, revenez. On y va comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va sur les deux côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on y va comme ça. Il faut tirer. On va tirer les jambes. Allez, 1, 2, 3, 4. Sur la pointe. 1, 2, 3. Allez, sur le talon. Tout le monde, allez, sur le talon. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, changez. Sur le pied. 1, non, sur le plat. 1, 2, 3, 4. Allez, sur la pointe. 1, 2, 3. Allez, sur le talon. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, l'échauffement est fini. Venez, on va courir un peu. Allez, on y va. Les filles, allez. On va courir pendant 30 minutes. Allez, les filles, du courage. Venez, il faut me suivre. Allez, on y va. Courez. Allez. Maintenant, c'est bon. Mettez-vous. Mettez-vous en ligne. Aujourd'hui, on va faire les abdominaux. Ok, mais il faut essayer de faire tous les exercices normalement, même si vous ne venez pas à faire exactement ce que je vous dis, mais c'est la forme qu'on veut. Il faut essayer, même si vous ne parvenez pas. Ok, on y va. Vous allez me suivre. Allez, tout le monde, comme ça. Le pied un peu, coupe, comme ça. Allez, on descend. 1, 2, il faut lever un tout petit peu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, récupérez. Allez, il faut récupérer. Ok, on y va, comme ça. On cherche, regardez-moi d'abord. Il faut me regarder, on y va. 1, on touche le sol. On y va, 2, on touche le sol. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, la vie. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, récupérez.
que c'est pas difficile pour essayer de le faire. Ok, on y va, comme ça, comme ça. On y va, oui, on touche le sol. Allez, on y va. J'espère que vous êtes bien étiré, que vous avez suivi hein, l'exercice avec notre moniteur de sport, Monsieur Mamadou. Après avoir transpiré, il faut manger, il faut bien manger. Et c'est avec Madame Koulibaly qu'on découvre la recette du jour, notre chef de cuisine. On retrouve Madame Koulibaly pour la proposition du petit-déj de ce jour. Bonjour Madame Koulibaly. Bonjour Madame Koulibaly. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez à tous ceux qui vous suivent? Aujourd'hui, je vous propose une assiette de crudités. Une assiette de crudités. Ah, la crudité aussi, ça se prend au petit-déjeuner? Oui, ça se prend au petit-déjeuner. Ok, d'accord. Les donc, légumes frais. Ok. Comment on va procéder? Qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, il nous faut du concombre. Concombre. Et de la tomate. De la tomate. Des poivrons, du poivron, oignons, des oignons, choux, des carottes, du citron. De la carotte, du citron. Et on va mettre un œuf dur. Un œuf dur. Oui. D'accord. Donc on commence par mettre l'œuf là. Au bout de. Parce que ça doit faire 10 minutes. D'accord. On va faire cuire l'œuf. Notre œuf. Voilà, ça bout déjà. Ok, donc, d'accord. Je mets l'œuf. C'est pour 10 minutes. 10 minutes! Top chrono, 10 minutes pour que l'œuf soit bien dur. Okay. Et donc puis, là, je commence par éplucher. On va éplucher notre concombre. Mmh. Donc, voilà. Mmh, d'accord. Aujourd'hui, au petit déjeuner, c'est une assiette de crudité que nous propose. Le chef de cuisine, Madame Koulibaly, il nous faut la carotte. Carotte, il faut la râper. Hein. Oui, on l'épluche d'abord. On l'épluche ensuite. Et on la râpe ensuite. Oui. On finit ça. Mm-hmm. Comment on va découper ça? En dés, en rondelles ou... Non. Pas en rondelles. Hein? Je vais découper ça en julienne. En quoi? En julienne. En julienne. Ok. On va découper son julienne. Je connais pas. Regardez avec moi, on va voir ce que ça donne. C'est ça en julienne? Oui.
en julienne. On fait des petits rectangles. D'accord. Donc en julienne, on tranche d'abord, on affine et puis on coupe. Voilà. D'accord. Ça sera bon pour vous. Hein. Pour c'est faire bon? Une assiette. Oui, ça pour une assiette. Pour une assiette, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, je coupe comment la tomate. Comment vous avez coupé la rose là? J'épluche la tomate comme ça. Voilà, comme quand on épluche. Une orange. Voilà, comme ça. Voilà, mais on continue, faut pas... Continue, oui. Voilà. Avec un couteau très fin. Oui, tranchant. Voilà. Et avec ça, on peut faire notre rose. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Je coupe la tomate. Mm-hmm. Rondelle. Voilà, rondelle. Après, voilà. On a pris notre tomate qu'on a épluchée. On a épluché. Épluché la tomate. Épluché, oui. Épluché. Voilà, et on a pris la peau pour faire une petite rose qu'on a déposée dans l'assiette. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Oui, on a la pellette carotte. Notre carotte, on la nettoie, on la râpe. Ça, c'est pour la sauce vinaigrette. Ça, c'est l'huile de... L'huile d'olive. L'huile d'olive. Oui. D'accord. Demi-jus de citron dans l'huile d'olive. Ah d'accord. Un citron, un quartier. Un c'est demi. Ça c'est un demi. Ça c'est un demi. Voilà. C'est quoi un quartier? C'est la moitié de ça. Ah la moitié de ça. Quartier. Un quart. Oh, je vais faire le malin. En fait, j'ai entendu quelqu'un dire ça tout à l'heure. Un quartier, c'est ça. Un quartier, c'est le quart. Oh, comme ça. D'accord. On ouais, coupe voilà. En quatre. Voilà. Un quartier. D'accord. Voilà. Ok. Là, ça c'est le quartier. Ok, ça c'est le quartier. Donc, demi. Donc, je mélange. Donc, pour la vinaigrette, on a mis de l'huile d'olive et la moitié d'un citron. On a pressé le jus dans l'huile. Et je vais ajouter encore un peu. Hein. Ok. Là, je vais mélanger. Je vais ajouter un peu de citron. Jus de citron. D'accord. Donc. Donc, on remet ça directement sur. On met ça sur les tomates. D'accord. Les choux ont été émincés, c'est ça? Râpés. Ou bien râpés aussi. Râpés. D'accord. Voilà. Carottes râpées, choux râpés. On dépose ça sur les tomates. Les tomates. Ça c'est une portion. Hein. Un petit peu de. Bon, comme au petit déjeuner, il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'on d'accord. Peut prendre. Ah, il n'y a pas que ça. On peut prendre oui. Ça avec autre chose. Vous allez prendre ça avec du pain. Il y aura du café, il y aura du jus d'orange. Il y a du jus. Ok, voilà. D'accord, c'est vrai. Donc avec ça, donc, c'est bon. Suffisant. Peu d'oignons. On découpe encore le citron? Oui, bon, c'est pour faire une petite décoration.
Si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu de citron. Donc là. Une assiette de crudité, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on n'a plus besoin de rajouter de la vinaigrette, hein? Non, on a puisque déjà. Puisque vous avez mélangé déjà. Voilà. D'accord. Et la vinaigrette, c'est de l'huile d'olive, du jus de citron. C'est tout, on n'a pas rajouté autre chose. Non, on a rajouté du sel et un peu de poivre. D'accord, du sel et un peu de poivre dans la vinaigrette. Jus de citron, huile d'olive. Maintenant, il reste l'œuf. Oui. Donc, on a enlevé l'œuf. On met de l'eau. On va décaler. On a mis l'eau. On a mis de l'eau froide. Pour le froidir, voilà. D'accord. Et on va faire? On va les caler. Enlever la... On va les caler. Mmh. Moi, j'aurais dit, on va enlever la peau. Mmh. On va les caler. Là. Voilà. Là, c'est bon. Je la mets à côté. Donc, pour vous, je suis sur ce plateau-là. Je suis votre bouche pour vous donner le goût. Voilà, Madame Koulibaly, oui. Est-ce que vous pensez que c'est une recette que tout le monde peut faire? Ah oui, bien sûr, tout le monde peut faire ça. Elle est facile, elle est moins chère. Oui. La tomate, les carottes. Vous rappelez ce qui rentre dans la composition? Oui, il y a la tomate, la carotte, les choux, le poivron, les concombres, et l'œuf, huile d'olive, citron, chips citron. Ça, on a ça partout. Hein. C'est des choses qu'on trouve sur nos marchés, partout. Ça partout. Il faut juste suivre la petite recette de, de notre chef de cuisine pour savoir comment agencer ça. Oui, d'abord, on a enlevé la peau de notre tomate. Tomate, oui. On a découpé en rondelles. Oui. On a disposé d'abord. Oui. Ensuite, on a râpé notre carotte. Oui. On a râpé le chou. Oui. On a mis ça dans on un bol. On a mélangé. On a rajouté du vinaigre, du jus de citron. Du jus de citron. Et de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Oui. Avec un peu de sel. On a mélangé ça. Hein. Oui. On a posé sur notre. Dans le moule. Oui, dans le moule. Après. On a rajouté les concombres. Les concombres. Vous avez découpé un peu de poivron, on a mis dessus. Mm-hmm. Un peu d'oignon. Oui. Et puis ensuite, on a fait une belle rose avec la peau de notre tomate. Oui. Et puis, on a disposé à côté notre œuf dur. Oui. Voilà. C'est très bon. Ça se mange avec du pain. Et puis, à côté, vous devez forcément boire du jus, n'est-ce pas, Madame Koulibaly? Du jus. Du thé. Maintenant, les fruits au petit déjeuner, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre la papaye, la mangue, l'ananas. Donc, un bon petit déjeuner, c'est quoi? C'est notre petit déjeuner, des fruits. Des fruits, des légumes, des œufs. D'accord. Du lait. D'accord. La proposition du chef de cuisine aujourd'hui, Madame Koulibaly, c'est cette recette. C'est une assiette de crudité, c'est facile à faire, c'est bon. Et puis. Ça nous donne la forme. Comme j'aime à le dire, ça se passe de commentaires. Les images parlent d'elles-mêmes. C'était tout simplement bon. Et j'espère que vous allez essayer cette recette chez vous. Vous n'allez pas regretter en tout cas. Voilà, donc après la proposition du chef, Madame Koulibaly, je vous envoie découvrir ce que nous réserve l'horoscope. Fidèles téléspectateurs de Maïcha Télévision, voici vos prévisions astrales. Bélier, Uranus vous inspirera.
vous séduirez avec brio et vous ajouterez des trésors d'esprit à la magnificence naturelle de votre panache. Santé, accordez-vous du repos à la maison et oubliez le monde extérieur. Taureau, si vous êtes un cœur solitaire, cette situation vous paraîtra insupportable maintenant. Avez-vous déjà pensé aux gens qui n'ont pas autant de chance que vous? Le travail vous semble être sans fin et insurmontable. Soufflez un peu. Gémeaux, la lune en cet aspect vous sera très favorable. Ne soyez donc pas trop timide et allez de l'avant. C'est peut-être la chance de votre vie. Vos proches seront en bonne forme et la vie de famille devrait en principe ne poser aucun problème. Cancer, mettez vos comptes par écrit, ça vous aidera. Jupiter, l'astre de la réussite, favorisera vos relations avec vos supérieurs et vous aidera à assumer vos responsabilités. En famille, vous devrez faire preuve de fermeté, autrement la situation vous sera incontrôlable. Lion, avec un tel environnement planétaire, vous ressentirez un besoin viscéral d'amour en cinémascope. Le quotidien, le banal, poire, vous n'en voudrez pas. Il vous faudra du sensationnel, du sublime. Pour votre santé, soyez vigilant, vous êtes sujet au stress et vous êtes nerveux. Vierge, sachez faire la part des choses et ne méprisez pas l'un au détriment de l'autre, mais tentez plutôt de concilier les deux. Uranus en aspect disharmonique pourra soit provoquer des situations inattendues qui vont déstabiliser vos plans en matière de finances. Balance, petite fatigue, vous êtes épuisé. Essayez de vous reposer, d'écouter la musique douce et de prendre soin de votre corps. Jette un os au chien méchant pour l'empêcher de te mordre. C'est votre citation du jour, réfléchissez-y. Scorpion, l'ambiance dans le couple ne sera pas très simple. En fait, le baromètre semble totalement tributaire de vos sauts d'humeur. En santé, ça risque d'aller mal. Laissez-vous aller à la détente et vous serez plus à l'aise que vous ne le pensiez. Sagittaire, pour régler vos problèmes sentimentaux aujourd'hui, choisissez la voie de la diplomatie. Tout ce qui concerne les questions financières devrait être étudié avec soin. Évitez les litiges d'argent, ils pourront vous jouer de bien mauvais tours. Capricorne, c'est le moment ou jamais de tenter votre chance au jeu. Vous aurez aujourd'hui la chance avec vous et les finances pourraient bien s'en trouver grandement améliorées. Mercure vous aide à vous concentrer sur vos objectifs et facilite une réussite. Verseau, vous bénéficierez d'une chance réelle qui vous épargnera les disputes, les tromperies et les jalousies. Au travail, l'organisation sera le point important. Ne laissez rien au hasard, ne vous laissez pas détourner de votre travail. Finissons avec nos amis poissons. En santé, le système nerveux sera aménagé, car vous avez abusé de vos forces et vous vivez perpétuellement sur des charbons ardents. Au travail, la chance vous soutiendra, mais à condition que vous restiez prudent et surtout très discret. C'est tout pour vos prévisions astrales du jour. Merci et à demain. L'horoscope a parlé. Après donc l'horoscope, on va recevoir le docteur Koulibaly Assanatou qu'on reçoit toute cette semaine et puis avec elle, on va discuter, on va lui poser des questions que nous nous posons. Comme c'est la spécialiste, elle répondra. Voilà, nous sommes aujourd'hui encore avec le docteur Assanatou Koulibaly et puis avec elle, on va se pencher sur la question de la malnutrition. Bonjour docteur. Bonjour Pascal. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'être avec nous encore. Aujourd'hui, on aimerait vous demander, c'est quoi la malnutrition? La malnutrition est un état pathologique résultant de la carence ou l'excès d'un ou plusieurs nutriments dans l'organisme. D'accord. Donc, si dans notre organisme, on manque de certains éléments, on peut être considéré comme malnutri. Ou si on en a trop, ok. D'accord. Donc, si je comprends bien, est-ce qu'on peut considérer les personnes obèses comme des personnes malnutries? Et oui, les personnes obèses sont considérées comme malnutries. Malnutries parce que c'est un excès? C'est un excès de nutriments dans l'organisme. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous citer les différents types de malnutrition ou bien il y en a un seul type? Non, il y a trois types de malnutrition. D'accord. Il y a l'émaciation ou la malnutrition aiguë. C'est quoi? Qui se manifeste par le faible poids par rapport à la taille. Okay. Voilà, deux enfants de même taille, l'un pèse moins lourd que l'autre. D'accord. Et ça dépend, ça va montrer
le type de malnutrition. D'accord. Et ce genre de malnutrition, généralement, c'est dû à une situation spontanée de manque d'apport alimentaire. Il faut juste apporter l'alimentation qu'il faut D'accord. pour remédier à ce type de malnutrition. D'accord. Donc là, c'est simple. Il faut juste revoir l'alimentation de l'enfant, ouais. qu'il mange équilibré et, ouais. et le problème est réglé. Généralement, la prise en charge se fait par les pédiatres. D'accord. Les pédiatres se chargent de ce genre de malnutrition. D'accord. Et quand il y a un autre genre de malnutrition, c'est quoi? La malnutrition chronique, ça c'est la taille par rapport à l'âge. Les enfants rabougris. Les enfants tout petits, vous allez voir deux enfants de 5 ans, l'autre, la taille est plus grande que l'autre. Okay. Vous allez croire que c'est son petit frère. D'accord. C'est pas génétique? Non, c'est pas génétique. Justement, c'est ce genre de retard de malnutrition et depuis une utero, depuis avant la naissance. Okay. Ce type de malnutrition D'accord. commence. Depuis le ventre de maman. Depuis le ventre de maman. Si maman ne s'alimente pas correctement, ça peut jouer sur l'enfant, ce qui fait que l'enfant peut naître déjà en état de malnutrition et qui se poursuit généralement jusqu'à l'âge adulte. Et à cet âge-là, généralement, les enfants qui ont déjà ces genres de malnutrition sont défavorisés par rapport à leurs semblables parce que déjà leur organisme n'a pas reçu la dose qu'il doit. Okay. Donc, il a des faiblesses par rapport aux autres enfants. D'accord. Mais est-ce qu'on peut trouver une solution à ça? Comment on fait? On peut trouver une solution à ça depuis à bas âge. Mais déjà, à l'âge adulte, quand la malnutrition s'installe, c'est très difficile de remédier à ça. Donc, c'est depuis le bas âge. Il faut voir si votre enfant n'est pas comme les autres. Il faut consulter un nutritionniste. Oui, il faut consulter un nutritionniste. Généralement, les gens qui sont atteints de ce genre de malnutrition n'ont pas les moyens de consulter les spécialistes. Donc, c'est ça coûte cher consulter un nutritionniste? Ça ne coûte pas cher, mais l'accès aux nutritionnistes, parce que c'est les gens qui sont généralement dans les périphéries, qui sont atteints d'une pauvreté extrême, qui font que ces enfants et ces mamans sont malnutris. Donc, souvent, on est malnourri en temps de guerre, en temps pendant la période des soudures, quand l'hivernage et les produits de l'hivernage passés sont finis avant que les nouveaux produits commencent, et aussi en temps de guerre, en temps de tremblement de terre, les catastrophes naturelles, tout ça là, ça peut donner non seulement la malnutrition aiguë et aussi la malnutrition chronique à la longue. D'accord. Donc pour éviter d'avoir un problème vraiment crucial de malnutrition, c'est dès le bas âge qu'il faut remédier à cela. Si votre enfant est malnutri et tout, c'est là qu'il faut il faut faire consulter par un nutritionniste et tout. D'accord. Donc, comment éviter d'être malnutri, docteur? Il faut bien se nourrir. Bien se nourrir, c'est même... tous les conseils qu'on a déjà eu à donner sur ce plateau. Il faut d'abord, la femme enceinte doit faire une alimentation adéquate. D'accord. Il y en a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut manger en quantité, mais il faut manger en qualité. D'accord. Et aussi les personnes adultes aussi doivent manger en qualité, pas en quantité. Éviter de se goinfrer de n'importe quoi. D'accord. Il faut diversifier l'alimentation. D'accord. Il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et puis manger du foie, des œufs, du lait et tout. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être passé sur notre plateau. Merci. On reste toujours sur notre fin avec vous, mais on aura l'occasion. C'est tout pour aujourd'hui. Et puis, le docteur nous a parlé. Et puis, c'est des conseils à suivre. Voilà. Le plein de trucs et astuces, c'est tout de suite. Pour les personnes qui ont le visage gras comme moi, rien de tel que le masque à l'argile verte. L'argile verte assèche la peau facilement et naturellement sans l'irriter. Appliquez le matin ou le soir. En plus, ça soigne les problèmes d'acné. Les boutons disparaîtront et puis ça soigne aussi la peau irritée. Donc, il vous faut juste de l'argile verte. On en vend en pharmacie ou dans nos marchés. Vous rajoutez de l'eau et vous appliquez. Ça marche.
Après l'argile verte, on va voir comment garder vos ongles propres quand vous bricolez. Quand vous bricolez, par exemple, et que vous ne voulez pas retenir de la saleté dans vos ongles, parce que les ongles retiennent beaucoup de saleté, il vous suffit, avant votre bricolage ou votre jardinage, quel que soit ce que vous faites, de gratter du savon. Le savon restera dans vos ongles et donc la saleté ne pourra pas s'incruster. Après, vous pourrez donc enlever tout simplement le savon que vous avez mis en dessous. Ça facilite le nettoyage. Pour éliminer les points noirs, c'est un véritable problème. Pour éviter les points noirs, il faut tout simplement passer du jus de persil directement sur votre peau en insistant sur les endroits où on retrouve les points noirs. Ça marche, essayez tout simplement. Les persils, ça coûte pas cher, 25 francs. Petit déj, c'est la recette magique sur Maïcha Télévision pour embellir vos journées. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre ce programme. Ne vous déconnectez pas, Maïcha Télévision continue et puis les programmes sont excellents. Je vous souhaite une bonne journée et puis merci.